poses des questions ou pas? Non, vas-y, je t'écoute. Ah bon? 2 minutes. Ouais. Alors ça, c'est une planche qui se passe en 1560 et une briquette. Henri IV a 12 ou 14 ans. Il est réfugié avec sa mère dans la ville de La Rochelle, qui était un bastion protestant. Alors, il fallait dessiner La Rochelle. La place de La Rochelle. Donc, il y a la tour de l'horloge qui existait déjà, mais pas dans l'état où elle est maintenant. Voilà, ça, c'est l'état où elle est maintenant. Il a fallu trouver des vieux documents pour savoir comment était le dessus de la maçonnerie. Et alors évidemment, ça, c'est assez amusant. On essaie de coller la réalité le plus possible. Mais on peut aussi s'amuser à la détourner. Et là, j'ai détourné l'histoire. Parce que Henri IV, ça c'est vrai, est tombé dans un bassin à La Rochelle. Et il a été récupéré par un capitaine de vaisseau qui s'appelait, j'ai oublié son nom, on va l'appeler Bardot. Et je voulais que ce soit un de mes personnages qui sauve Henri IV. De manière à ce qu'il puisse rencontrer la mère d'Henri IV facilement. Donc il fallait trouver un subterfuge pour... pour chambouler l'histoire. Alors j'ai fait ce fabuleux capitaine Bardot qui était bourré comme un coin, après avoir bu avec mon personnage dans une taverne, et quand ils entendent le pouf d'Henri IV qui tombe dans le bassin, c'est mon personnage qui saute. Et quand la mère d'Henri IV arrive, mon personnage est parti après avoir sauvé Henri IV. Et il reste le capitaine Bardot qui, lui, est tombé dans l'eau tellement il était bourré. Et il a réussi à remonter. Donc c'est le seul personnage mouillé qui est sur le quai. Et la mère d'Henri IV, je ne sais plus si c'est Henri IV, c'est sous IV, je confonds toujours. C'est lui qui est félicité. En astérix et en report, j'avais mis, c'est comme histoire. Voilà. Donc ça, c'est des détournements d'histoire. On peut se permettre qu'on peut apparenter au roman historique.